Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo et ça sera une vidéo ouverture du calendrier de l'Avent, donc ce sera celui de chez Nocibé. Entre ma pause du midi, j'étais à Sephora, je voulais prendre le calendrier Sephora. Il passe à 34,99 au lieu de 44,99 et franchement, quand on regarde le dos, c'est beaucoup des babioles, des bricoles, des choses qui vont pas me servir, du coup, je l'ai pas pris. Et je suis passée devant Nocibé et à Nocibé il était à 29,99 et j'avais un code promo à 25%, donc il est passé à 22,99. Je me suis dit bon, on va arrondir à 20 euros dans la tête et 20 euros ça passe, franchement ça passe, ça passe, ça passe. Et je me suis dit je vais l'ouvrir tout de suite avec vous. Donc il se présente en carré. Devant nous avons un petit neuneu, là un petit calepin. Oh là, juste les précautions, les indices, enfin voilà quoi. Oui, nous sommes déjà le 15 septembre. Nous avons déjà les calendriers de l'Avent. L'année prochaine, au mois d'août, nous aurons les calendriers de l'Avent. On n'a même pas encore passé Halloween, qu'on parle déjà de Noël, des calendriers de l'Avent et tout. Ça se fait de plus en plus tôt, je trouve. Donc, je disais, il se présente en carré. Nous allons ouvrir le petit neuneu. Le petit neuneu reste accroché. Et après, ça vient s'ouvrir. Si on retire les scotchs, ça ira mieux. Sauf que j'ai ouvert aussi, du coup, je vais tout voir. Bon, je sais déjà approximativement ce qu'il y a dedans parce qu'il était en présentation avec toutes les cases ouvertes. Donc, il se présente comme ça. Voilà, on peut l'ouvrir. Non, pas sur les côtés. Là, à l'intérieur, il s'ouvre de partout. Donc, nous allons commencer par la case numéro 1. Si je la trouve. Ah bah si. Il y a encore des ouvertures devant. Je vous dis des bêtises. Donc le numéro 1 est sûrement devant. Je le trouve pas. Ah si. Alors là, il est juste là en grand et je ne l'ai pas vu. Alors, c'est une crème pour les mains de chez Nocibé. Dedans, il n'y aura que des produits de Nocibé à l'aloe vera et au beurre de karité. Je vais sentir s'il n'y a pas un... Il y a un opercule. Je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai pas mal en stock. Et ça, c'est quelque chose que moi, les crèmes pour les mains, tout le temps, tout le temps. J'ai les mains hyper secs, surtout en hiver. Donc, maintenant, le numéro 2. Bon, ça ne va pas trop me servir. C'est un bloc, c'est une lime. Ça, il y en a tout le temps dans les calendriers. Moi, ça me sert pas trop. Je vais voir si je vais m'en servir ou quoi. Mais bon, c'est gadget. Au pire, je mettrai dans mon sac à main pour moi le travail si jamais j'ai besoin. Maintenant, je cherche le numéro 3. Oui, les vernis Nocibé, je les aime bien. Ils sont bien. Et ça, c'est quoi? C'est un fortifiant pour les ongles. Ça, c'est pas mal. Ça va me servir. Moi qui fais mes ongles et tout. Donc, ça, c'est top. Ça va me servir. Je l'ai déjà fait tomber à terre. Nous sommes arrivés au numéro 4. Numéro 4, nous avons une petite boule. Enfin, pas une petite boule de mâche. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pour se laver. Vous avez compris. Ça, justement, j'en ai plus. Donc, ça va me servir. J'aime bien me laver avec ça. Donc, ça va me servir. Même si c'est en rouge et que j'aime pas le rouge. Maintenant, numéro 5. Alors, le numéro 5, c'est un galet effervescent. Je crois que c'est les trucs qu'on met dans l'eau et que ça se... C'est effervescent, donc ça s'en va. Sauf que j'ai pas de bain, ça va pas me servir. Mais comme les petits, pareil, j'ai pas de bain pour les petits. Du coup, j'ai gardé le bain de bébé, je le mets dans la douche comme ça, ça leur fait un petit bain. Donc ça, ça va servir pour mes loulous. Numéro 5, c'est fait. Passons au numéro 6. Le numéro 6, je pense que c'est un métal kiss. La couleur, elle a l'air pas mal. Ouais, il est pas mal. Il est juste là. Oui, j'ai encore des restes de choix de ce midi. Il est pas mal. Ça, je valide. Ça va me servir. Le numéro 7. Comme dans tous les calendriers de l'Avent, les petits élastiques comme ça. Ça, j'aime bien. Ça va me servir. Donc, je dis pas non pour un petit élastique en plus. Même si c'est gadget. Le numéro 8. Le numéro 8, donc, c'est un masque visage hydratant. Donc, c'est un échantillon. Il n'y a qu'une utilisation.
Donc comme ça, je pourrais le tester parce que je n'ai jamais testé les produits soins de chez Nocibé, genre tout ce qui est masque, trame et tout, à part leur huile démaquillante avec des pétales de rose à l'intérieur que j'aime beaucoup. Donc je vais pouvoir le tester aussi, ou pire, je mettrai en échantillon ou en cadeau quand je fais mes commandes Vinted. Le numéro 9, une lingette démaquillante, mais qu'est-ce qu'elle est douce. Donc ça, c'est top, ça va me servir. Par contre, les finitions couture, est-ce qu'on en parle? Elles sont pas très très bien faites. Donc voilà, mais ça, c'est top, je valide, ça va me servir. Quand j'utilise que ça pour me démaquiller, donc je valide. Rien d'extraordinaire, mais je valide quand même. Le numéro 10, c'est pas un en moi, c'est un rouge. Et je vais le garder pour mes pieds. Je sais pas si je le garde, ou si je garde pour mes pieds, ou si je le mets dans un concours. C'est pas vraiment ma teinte. Donc je le mets de côté. Le numéro 11, repousse cuticule. Sans plus, mais bon, ça va me servir quand même. Mais bon, sans plus, j'aurais pu m'en passer. Le numéro 12, donc le succomber au rituel de la beauté. C'est une crème pour les mains aussi. Voilà. C'est leur gamme de ces Home Spa. Donc ça, pareil, ça va servir. Le numéro 13. C'est une petite boîte vide. C'est pour mettre quelque chose à l'intérieur, pour mettre de la crème. Quoique, quand je m'en vais en week-end, je vais prendre mes grandes crèmes. Enfin, du coup, je prends même pas mes crèmes. Je peux mettre la principale dedans. Ou ranger des strass. C'est gadget. Hein. Le numéro 14, c'est un gel douche senteur vanille gourmande. Oui, ça va. Il sent très très bon. Il est vachement sucré, j'aime beaucoup. Le numéro 15, un taille-crayon. Ça peut toujours servir. C'est gadget, mais ça peut servir. Le numéro 16, alors c'est un crayon, et un crayon pour les yeux en teinte noire. C'est noir, hein? Voilà. Ça peut toujours servir, même si j'en ai une collection. Ça peut toujours servir. Comme ça me permettra aussi un petit peu de tester le maquillage Nocibé. Le numéro 17, ça va me servir. Fallait que j'en achète une brosse pour venir frotter la poussière quand je fais les ongles. Du coup, j'ai une brosse à dents. Ça va servir. C'est bien. Gadget, mais c'est bien. 18. C'est encore un masque. Donc là, c'est un masque détox. Donc pareil, je vais pouvoir le tester. Le numéro 19. C'était pour dire mettre quelque chose, on va dire. Hein. Une petite pince à cheveux. C'est juste pour dire d'avoir mis quelque chose au numéro 19 parce qu'ils ne savaient pas quoi mettre en fait. Du coup, ils ont mis une petite pince. Numéro 20. C'est un agité avant utilisation. C'est écrit dessus. C'est un rouge à lèvres. C'est violet, violet, violet. Et c'est violet. C'est peut-être un rouge à lèvres que je pourrais me servir pour faire des traits d'eyeliner. Il serait pas mal. Pour les lèvres, je sais pas. J'ai fait quel numéro? Je suis arrivée au numéro 19. Ah, j'ai fait le 20. Ah, je suis déjà au 20. Le 21. Donc, le 21, c'est une petite bouteille piche-piche pour mettre les produits quand on part. Je sais pas si ça va me servir. Je sais pas si ça va me servir. Au pire, je donnerai à mon homme. Ça lui servira pour lui quand il va faire ses randonnées. Ça va peut-être lui servir à quelque chose. À moi, je sais pas. Ou bien pour mettre de l'eau dedans pour le savon, pour les sourcils. Je sais pas quoi ça va me servir. Donc, nous passons au numéro 22. Ça tombe bien, un top coat, deux en un, tout en un. J'en ai pas. Il fait base et top coat. J'en ai pas. Vu que je fais mes ongles au gel, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai pas. Du coup, quand je fais mes pieds, je n'ai pas de base, je n'ai pas de top coat. Donc, c'est plutôt pas mal, ça va me servir. Le numéro 23, un petit miroir
de poche rouge avec écrit Nocibé. Bon, j'en ai plein, mais ça, c'est quelque chose qui peut toujours servir dans les sacs à main. Bon, c'est gadget, mais ça peut toujours servir. Et pour finir, le numéro 24. Donc, je vais pouvoir le tester. Donc, c'est un mascara de chez Nocibé. Mascara au volume, longueur et courbe. C'est le Have It All. Donc, je vais pouvoir le tester. C'est une brosse rikiki. Mais vraiment, elle est rikiki. Je vais pouvoir tester comme ça. Je crois que j'avais entendu parler du bien de ce mascara. Et si je ne dis pas de bêtises, j'ai tout fait. Je vais ouvrir au-dessus. Voilà. C'est fini. C'est ouvert. Donc, poubelle. Verdict. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Ça, je trouve que personnellement, c'est inutile. Il y a de tout. Bon, ça, je sais pas trop si ça va me servir. C'est trois produits là, je pourrais dire qu'on pourrait s'en passer. Le petit miroir, bon, ça sert toujours. Mais les autres, c'est des produits qui vont servir. Les crèmes pour les mains, moi, crème pour les mains, et moi, ça fait un. Donc, c'est parfait. Pour les ongles, c'est parfait. Ça, bon, c'est pas trop ma teinte, mais je me dis, pour le tester, ça pourra servir. Ou bien même pour faire des traits d'eyeliner, cette teinte là, ce serait nickel. Donc, voilà, je vais pouvoir tester. Je vais pouvoir tester leur marque. Bon, le petit crayon, ça sert toujours, hein, on va dire. Le petit élastique, moi, ça me sert toujours, donc c'est nickel. Donc, voilà. Et le petit gel douche, franchement, il sent trop, trop bon. Donc, voilà. Maintenant, j'ai de quoi aller me laver. Je vais enfin pouvoir sortir bon. Donc, voilà, c'est tout pour. Ah oui. Ça qui va pas me servir très clairement, et ça va me servir. Et celui-là, il est très très beau. Par contre, le gelé, ça n'a pas l'air d'un mettre parce qu'il bouge, il est pas sec. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que l'ouverture du calendrier vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà acheté le calendrier, si vous comptez l'acheter. Moi, je trouve que c'est un beau petit cadeau qu'on peut faire à une petite jeune fille, 15 ans, 14 ans, 13 ans. Oui, je trouve que 14-15 ans, oui, ça peut leur faire plaisir à la place du calendrier de chocolat. Vous pouvez acheter les deux aussi, hein. J'ai pas de fille, moi, donc je pourrais jamais lui offrir un calendrier comme ça. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et à activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie et de la prochaine vidéo. Il y a deux calendriers encore qui vont arriver, Catrice et Essence. Je vous en dis pas plus, ça arrive. Maintenant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!